Hi, I'm Graham from Beachhead Bourgain. This is a Volvo 55 horse engine fitted in this Nichols 1350 Comfort from 2006. Now, it's a 1350 Comfort which has been really transformed by Boatyard's professional conversions to a VIP. Have a look at our videos and photos of the interior that show you those modifications. Now, as you can see, this engine is stone cold. We'll start it from cold and see how she runs. Bonjour, je suis Graham de Beachhead Bourgogne. Donc, comme vous l'avez-vous, moteur Volvo 55 chevaux, complètement à froid, installé sur ce Nichols Comfort 1350 qui est hautement modifié et ressemble plus à un VIP maintenant. Vous allez voir tout ça sur nos photos et nos vidéos. On va le démarrer et on va voir ce que ça donne. Bah, même à froid, même en dérailleur sans accélérateur, pas d'hésitation. So, cold, no accelerator, and no hesitation. Let's go take a look. No smoke. Lots of cooling water, no smoke, that's impressive. Vraiment pas de fumée. Refroidit bien. Ça, c'est impressionnant. On va voir l'intérieur du bateau maintenant. Qu'est-ce que ça donne au niveau sonore? Let's go back inside and see what the noise levels are like in there. Bon, ben, on vient de fermer les trappes moteurs qui se trouvent sous les lits. Ici, nous avons deux cabines arrière avec les lits qui peuvent être en lit double comme celle-ci ou des lits simples comme nous avons fait sur la cabine à côté. Les lits font 2 mètres de long par ou 80 ou 160. Et ici, il y a une hauteur sous barreau de 1 mètre 97. Et là, on n'entend quasiment pas les moteurs, même ici à côté. C'est impressionnant. Voici la deuxième salle d'eau, donc les toilettes électriques, douche. Et là, il y a 1,90 m de hauteur sous barreau pour la douche. Et ici, en carré, c'est très, très lumineux. Carré cuisine. Avec 1,95 m de hauteur sous barreau. Un accès tribord qui facilite la vie pour embarquer quand on est amarré sur les berges. Là, vous avez une sortie de clim. La clim réversible, donc chauffage et refroidissement. Et regardez-moi cette terrasse. C'est vraiment énorme. Vous pouvez vraiment profiter de l'extérieur avec vos amis. Pilotage intérieur, pilotage extérieur. Et voici le grand changement de ce bateau, s'est transformé professionnellement en VIP, c'est-à-dire une grande cabine à l'avant. Ce lit fait 2 mètres par 1,40 m. Comme c'était pour deux cabines, il avait comme à l'arrière un compartiment toilette-douche pour chaque cabine. Aujourd'hui, c'est transformé en une toilette électrique comme les deux autres. Et une douche séparée. Donc bien confortable pour les propriétaires. Et là, franchement, moteur tournant, j'entends rien de tout. Alors, on va passer à nouveau dans le carré. Et on va voir ce que ça donne au niveau sonore avec le groupe électrogène. Mais ça, j'entends. Pas intrusif, mais moi, je l'entends. Mais vraiment pas intrusif. Donc là, il y a et le moteur et le groupe électrogène qui tourne
on va vous faire le preuve. Ah, et là, bah, j'entends quasiment plus rien en sortant. Mais regardez, on ne triche pas. Le moteur qui tourne et le groupe électrogène. Les voilà. Si vous voulez plus d'informations sur cette Nichols 1350 transformée en VIP, je suis Graham de Budget Bourgogne. Toutes mes coordonnées figurent sur la page d'information sur budgetbourgogne.com. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.